Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage vite fait pour la semaine du 17 au 23. J'ai pris un copillon du 17 au 23 février 2020, donc on va utiliser le petit Lenormand. Je fais un tirage pour les énergies. Peut-être je tirerai une carte du Love Tarot que j'ai retrouvé sur Amazon. Donc je vais le mettre en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Ce sont les 22 lames, les 22 arcanes majeurs. Donc voilà, si ça vous intéresse. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est aussi la description. Bon, voilà. Allez, on y va. Je vais faire avec le petit Lenormand. J'ai pris celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Waouh, on va déjà avoir une nouvelle ici, une bonne nouvelle, une nouvelle qui va nous donner non seulement de l'espoir, mais qui va nous annoncer une réussite. Donc une nouvelle qui va nous annoncer une réussite, qui va nous annoncer, qui va nous peut-être nous donner une explication. Nous donner une explication, c'est quelque chose par écrit, ou alors on va trouver la solution et on va l'écrire. L'écrire, l'envoyer, mail, etc., etc. J'avais mis ça pour mon chien, mais il ne va pas dessus. Donc, du coup, je la bouge. Ah, moi, petit chien. Voilà. Ah oui, attends, il y a ta chaussette. Ah oui, parce que ça, sa chaussette, je vous jure, c'est de pire en pire. C'est son tout doux. Alors, voilà. Donc, ça commence bien. Ça commence très bien. Belle chose. Ce que je vais faire, je vais faire un tirage en... Je vais faire un tirage en 13 cartes. On y va. Waouh, on va parler d'argent ici. Des discussions, des conversations d'argent, par rapport à l'argent, aux finances. Quelque chose que l'on ne sait pas encore. On va dévoiler peut-être quelque chose dans un lieu public. On va dévoiler quelque chose, il y a quelque chose qui va être dévoilé ou que l'on va connaître, qu'on va apprendre de quelqu'un ou par quelqu'un, pour quelqu'un. Enfin voilà, il y a des choses qui vont être dites. Alors tout à l'heure, non, je ne sais pas pourquoi je pensais à un tribunal ou à quelque part, un endroit où on doit s'exprimer en public. Si on a la liste, on verra. On a le soleil et la croix. Ah, donc ici, on a la croix. Du coup, moi, j'ai envie de penser, parce que le soleil, c'est quand même une carte très, très positive, qui ramène le positif donc à la croix, ici, qui est plutôt tristesse. Je pense que la tristesse pourrait se terminer... Ouais. Il va y avoir de la chance. Il y aura peut-être un déménagement ici. Il y aura peut-être un déménagement ou un emménagement. En tout cas, il y aura de la chance. Donc, si ça vous parle. Ok. Allez, cette fois, j'y vais. Et je prends 13 cartes. Alors. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, neuf, dix, onze, douze et treize. Donc pour la semaine du 17 au 23 février 2020, on va voir ce que ça va nous donner, ces 13 cartes.
D'accord. Alors, on a le bouquet, donc ça pourrait parler déjà de joie. De joie, de la joie, de la bonheur matériel. Oui, bonheur matériel. Nous avons le jardin. Il y aura un choix à faire ou qui va être fait. Petite prise de tête. Je dis en gros, après je reviendrai dessus. On a la clé, encore une fois, la clé de la réussite. Nous avons Madame, vous Madame ou votre Madame. On a le serpent. La tour. La tour. La croix. Ok. C'est une église. On peut parler d'une église ici. L'arbre. Un hôpital. Le soleil. Le livre. Ok. Les oiseaux. Vous voyez, les cartes qui reviennent souvent hein, quand on les dans la coupe. Et l'encre. Alors. C'est marrant parce qu'on a eu ça aussi dans la coupe, ça, enfin, ça aussi et ça aussi. Donc on a toutes les cartes de la coupe. Alors, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait un problème de santé dans le, par rapport au, alors, aux veines, je vais dire, ou à l'appareil digestif. C'est possible. Attendez, je vais mettre ma souris ici parce que sinon ça s'arrête tout le temps, il faut que je règle mon truc. Alors, on pourrait peut-être, il va peut-être y avoir, alors on va peut-être, il y a peut-être la déclaration d'un problème de santé. Voilà, peut-être, pas que. Il est aussi une possibilité, il y a une possibilité aussi de recevoir un cadeau de la part d'une dame. D'une dame qui n'est pas perfide, on va dire, une dame qui ne soit pas vraiment très très honnête. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, mais si c'est le cas, si vous recevez un cadeau et que vous pensez mais c'est pas normal qu'elle m'offre un cadeau celle-là, eh bien ça veut dire quelque chose. Il y aura une signification à ce cadeau, d'accord? Il y aura une signification, donc méfiez-vous. Cadeau, ouais. Par contre, madame ici ou votre femme. Monsieur ou madame, il y a des choix qui vont se faire, il y a des choix qui vont se faire. On va discuter par rapport à des changements. Il y aura des changements cette semaine. On va discuter de changements, peut-être de déménagement, de vente. En tout cas, si vous voulez vendre un bien, si vous voulez acheter un bien, s'il y a, voilà, ici on a la clé. Alors on loue, on achète, on vend. C'est oui, ça, on va peut-être discuter de ça, mais ça va être très très positif si c'est ce que vous désirez. D'accord? Achat, vente, location, ça va être très très positif cette semaine. Ça va être quelque chose que vous allez prendre une décision et vous allez vous ancrer et ne plus changer d'avis. Peut-être que vous changez souvent d'avis par rapport à ça, mais non, ici vous n'allez plus changer d'avis. Donc cette semaine, il va y avoir des choses qui vont se... Qui vont vraiment s'ancrer, être solides. Alors, c'est peut-être aussi, on recommence quelque chose, on continue quelque chose. Je réfléchis au verbe recommencer. Ben oui, on pourrait dire recommencer dans ce cas-ci. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous ancrer. Mais il y a quand même une certaine peine. Il y a quand même une certaine peine. Je pense que c'est plutôt ici un passé. Alors, un passé
quelque chose que vous vivez peut-être jusqu'à là, jusque maintenant, qui vous a un petit peu... y a eu des révélations qui vous ont détruites ou qui vous ont vraiment attristé. Alors, on va dire que comme c'est un tirage général, ça peut être pour un monsieur aussi, pour vous, madame, ou vous, monsieur, ou votre madame, ou votre monsieur, parce que c'est vraiment très général. Donc, ici, en effet, il y a eu de la peine. Il y a eu de la peine. Alors, peine, on a eu de la peine du chagrin, et peut-être de la peine dans certaines épreuves. Donc, ça n'a pas été tout seul pour certaines personnes. Il y a eu, pour certaines personnes, la dévoilation. La dévoilation. Non, le dévoilage, le dévoilement. C'est vrai qu'on ne sait plus parler, hein, quand on fait des vidéos. Parfois, j'entends aussi des personnes qui disent, mais c'est pas comme ça qu'on dit, alors que oui, c'est comme ça. Et du chien, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui vous aurait peut-être été dévoilé, et c'était de la tromperie. Vous ne le saviez pas, vous l'avez su, vous le savez. Ça vous a peut-être... Peut-être ça vous a rendu... Ça vous a pris la tête, mais peut-être tout simplement parce qu'on a... On vous a déshonoré. Vous avez senti ça, vous avez été humilié peut-être. Et donc, du coup, ça vous a... Peut-être que vous êtes resté avec la personne pour le matériel. Attention, je ne veux pas dire par là que vous êtes resté avec la personne parce que vous vouliez profiter, mais tout simplement parce que vous n'aviez peut-être pas le choix. Pas du tout le choix. Pour moi, c'est plutôt ça, hein. C'est pas du tout... ou que vous étiez peut-être en mauvaise santé, vous ne pouviez pas faire autrement à ce moment-là. En tout cas, ici, avoir une nouvelle perspective ici qui est en train d'arriver, qui est vraiment se met en place. Donc, les prises de tête, ça s'en va, ce sont les nuages, et les nuages, ça s'en va, hein. Ça ne fait que passer. J'ai pas les souris, j'ai rien du tout là derrière, mais je vais quand même recouvrir les cartes qui sont plus... plus moches. Pour avoir peut-être un peu plus d'indications. En tout cas, pour moi, ici, vous devez tourner le dos maintenant à ce passé. Ce passé, il est terminé. Cette semaine, vous allez... Alors, peut-être vous sentir beaucoup plus libre. Peut-être que vous allez vous sentir libre. Donc, vous vous sentiez avec l'encre. C'est comme si vous aviez un boulet. C'est comme si vous traîniez un boulet. Peut-être vous n'arriviez plus à avancer. Ici, vous allez enfin vous débarrasser de ce boulet. Vous allez déposer votre croix, faire le passé, on s'en fout. Et maintenant, waouh, c'est que du bonheur. Vraiment, que du bonheur. Ok, je voulais regarder parce que je l'avais laissé sur la table celle-ci. Quand j'ai pris mon paquet, donc j'avais laissé sur la table, je voulais voir ce que c'est. Donc on a l'amour quand même ici. Hein. Donc il y a quand même de l'amour qui ou un amoureux alors qui est en train d'arriver ou qui vous aide ou c'est l'amour de quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi l'amour d'un enfant, hein, mais je pense qu'il y a des on vous a En tout cas, il y a des échanges, vous avez la clé de la réussite. Alors ici, je vois un grand bâtiment, ça pourrait être, j'ai pas le lys, non. Avec le livre, on pourrait dire une administration, quelque chose comme une administration. Ça peut être aussi des appartements, hein, des appartements. Une très très grande maison, c'est plutôt des appartements, un grand bâtiment où on parle, où il y a le livre avec les oiseaux et le livre. Ça peut me parler d'un palais de justice, par exemple, d'un endroit où on fait la loi, où il y a une loi qui peut. Et peut-être du coup, vous aviez eu à cause de. À cause de ces tromperies, attention, hypocrisie, tromperie, etc., vous n'avez plus pu... vous avez peut-être été en mauvaise santé et en mauvaise gestion. Mauvaise santé, mauvaise gestion financière ou mauvaise gestion de certains biens. Patrimoine ? Non, pas patrimoine, ça ne me parle pas.
Allez, on va recouvrir. Je recoupe. J'ai envie. Ah non, nous avons là. Attendez. Ça, comme ça et comme ça. Voilà. Nous avons la verge et l'étoile. Les étoiles. La verge et les étoiles. Donc, dispute, sexe. Hein, dispute. Et ici, pour moi, avec les étoiles, donc on va gagner. C'est la popularité, c'est le gain, c'est la protection. Donc, je pense que vous allez être protégé. Vous allez. Oui, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez. Trouver la solution. Vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé. Suite à quelque chose, pour moi, c'est plutôt des disputes ici. Toujours recouvrir celle-ci. Eh bien, nous avons la lune. La lune sur le serpent et l'ours sur la croix. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que pour certaines personnes, des fortes difficultés financières, pour certaines personnes, beaucoup, beaucoup de difficultés financières, et j'ai envie de vous dire que vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de ces difficultés financières. Donc, là, ouais, vous dites, mais non, de toute façon, ce n'est pas possible, mais moi, je veux vous dire que oui, il y a quelque chose qui va se passer, et oui, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Hein. Mais peut-être que vous attendez une réponse, vous attendez peut-être, je sais pas moi, de retoucher d'une assurance, voilà. Et alors, on a la lune sur le la lune sur le serpent. On pourrait dire que on pourrait éventuellement faire un travail sur vous. Faire un travail sur vous, une personne qui... Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une personne qui fait un travail sur vous. Donc, on va dire de la magie noire, soi-disant la magie dite noire. On pourrait dire aussi que c'est une personne qui vous jalouse tellement, 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 ben, qu'elle vous a foutu le mauvais œil, quoi. Mais il est possible aussi que ça me parle d'une personne donc, qui serait peut-être dans l'ésotérisme. Mais si cette personne est dans l'ésotérisme, j'ai envie de vous dire qu'elle profite de vous. Elle profite de vous, cette personne. Oui. Ou alors, il pourrait s'agir d'une personne qui peut-être perdrait un petit peu ses quilles. Enfin, peut-être pas ses... J'ai dit ça, je me suis mal exprimée du coup. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, quoique cette personne-là n'est pas gentille. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que sa méchanceté soit encore pire parce qu'elle est, peut-être, je sais pas moi, bipolaire ou il y a un problème psychologique, psychiatrique. Oui, j'ai l'arbre à côté, donc ça me parle bien de problèmes psychologiques, psychiatriques, c'est en tout cas... un problème clinique de santé. Peut-être que ça va peut-être être dévoilé aussi, ça. Alors, il est possible aussi que ce soit une dame. Une dame mauvaise. Mauvaise, pour vous en tout cas, qui arrive à manipuler certaines personnes. C'est peut-être aussi une dame qui joue avec sa santé. Qui joue avec sa santé, non, mais c'est quelqu'un qui fait comme si elle était malade, alors qu'elle ne l'est pas tellement, et que... mais elle se fait plaindre, et qu'il y a des gens qui la croient malade, et donc elle profite. Elle profite aussi de ça. Je ne sais pas si je vais recouvrir encore quelque chose, parce que tout est beau, du coup. Donc on va faire un choix, on va parler, on a la clé de la réussite, on a l'abondance totale et générale,
On a l'encre, donc moi je pourrais recouvrir l'encre, mais non, parce que j'ai envie de dire, on va s'ancrer ici. On s'ancre dans le bon, dans le beau. Donc si je bouge l'encre, on risque d'avoir autre chose qui soit moche. Donc moi je vais laisser ça, je ne vais pas influencer non plus les énergies. J'ai envie de garder celle-ci. Bon, oui, je pourrais aussi recouvrir le... Le nuage, mais c'est pas vraiment négatif. Hein. Ça ne fait que passer, en fait. Ok. Je vais rester là pour les énergies de la semaine. Je n'ai parlé d'amour que lorsque je vous ai dit que j'avais laissé la carte là et que je l'ai reprise, donc, parce que j'ai pris mon paquet, la carte qui était restée, c'était le cœur. Donc, il y a de l'amour quand même, il y a de l'aide de la part d'une personne. Alors, c'est de l'aide de la part d'une personne qui vous aime ou que vous aimez. Mais en tout cas, il y a de l'amour ici qui sera là présent pour avancer avec vous. Voilà, mes amis. Donc ça, c'est pour la semaine. Maintenant, je vais juste prendre peut-être mon petit 22 arcanes majeurs. Ouais, j'ai vu que c'était revenu sur Amazon, donc quand je me suis desservie la dernière fois, je l'ai mis dans en barre d'infos. Il est vraiment pas cher, je sais plus. Il n'y a que 22 arcanes majeures, donc. Voilà, ce sont de belles grandes cartes. Elles sont au moins, ouais, elles sont de la même largeur que le Normand ici, qui est grande carte. Hein, celui-ci, c'est format Dorine Virtue. Et là, ces lames-ci sont quand même, voyez, il y a bien 2,5 cm, à mon avis, en plus. Donc, ce sont vraiment des grandes. J'ai pris le vaisseau. Et tout à l'heure, quand je pensais, je vais recouvrir, peut-être avec le vaisseau. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai pensé recouvrir avec le vaisseau. Donc, il est possible, ça me parle peut-être d'une personne d'une autre nationalité. Ça me parle aussi de l'étranger. Ça me parle de voyage, de déplacement. Pas spécialement petit déplacement, mais un déplacement quand même. Voilà, peut-être dans une autre région, mais ou carrément à l'étranger. Allez, pour l'amour, on va juste faire une coupe. Allez, on va faire une coupe. Et ben voilà. Nous avons le battleur et le jugement. Le battleur et le jugement. Alors, ici, il y a des nouvelles. On va commencer quelque chose de nouveau. En amour, il y a quelque chose de nouveau. On va commencer quelque chose de nouveau. Nouveau commencement. C'est une nouvelle vie aussi. Ah, mais oui, mais voilà. Vous allez peut-être pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans vos amours. Parce que justement, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Vous étiez vraiment ancré, mais vous ne saviez plus. Voilà, vous étiez impossible d'avancer. La croix était trop lourde et le boulet que vous traîniez à la cheville, vous ne saviez plus. Mais là, maintenant, bien, vous allez retrouver la possibilité, votre liberté et le jugement, évidemment, nous parle de nouvelle vie, de commencer, de recommencer, de pouvoir avoir une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité de commencer quelque chose. Parce que vous allez avoir d'autres outils en main. Je ne sais pas si vous aussi, ici, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de vent.
Voilà les amis, voilà, ce sera pour le petit tirage, petit mini tirage de la semaine. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je ne le ferai pas toutes les semaines, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui en font. Enfin, c'est pas parce qu'il y a trop de monde qui en font, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de monde qui en font. Donc, je vois pas pourquoi, quand on regarde, en principe, on doit regarder un tirage, on choisit sa chaîne, on regarde le tirage. Puis, on va pas regarder les 50 autres tirages sur 50 autres chaînes, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je me dis, y en a tellement que... Voilà. Mais de temps en temps, aujourd'hui, j'aurais envie de le faire. Voilà. Tout simplement. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas, restez positifs.